Bonsoir chers amis, nous voici donc au stade Félix Bollaert. C'est le programme des Montpelliérains ce week-end pour la 14e journée de Ligue 1 qui nous amène ici à Lens, encore une fois à huis clos. Il y a le classement qui nous booste, mais il y a aussi le classement des adversaires. C'est un match qui doit nous doublement nous booster pour consolider plus encore notre formidable place actuellement en Ligue 1. Alors Michel Garzakarian, il va à Fran, tout de go, fier comme à Taban. On ne va pas bouger de cette formule en 4-3-3. Michel Garzakarian donc mettra bien sûr Jonas Omlin dans la cage, Daniel Congré, Pedro Mendes dans l'axe de la défense, Junior Sambia couloir droit, Mihailo Ristić couloir gauche. Le milieu de terrain ne bouge pas avec Florent Mollet, TJ Savagnier et notre ami Jordan Ferry. La triplette l'attaquant, parce que ça c'est très important. Stéphie Mavididi, Gaëtan Laborde. Et oui, Andy est là. Oui, Andy Delors sera au coup d'envoi de ce match à 21h qu'on suivra et qu'on vivra tous ensemble sur tous les supports sociaux du MHSC. À 21h, à tout à l'heure. Un hommage est rendu actuellement au plus lent.
Lensois de tous les Lensois, tristement disparu, Pape Pilla Diop, qui bien sûr va nous obliger à respecter cette minute de silence. Et les deux formations étant à l'instant au centre du terrain, à la mémoire donc de Pape Pilla Diop. Avait un bon petit mètre d'avance quand même sur son adversaire qui a fini par le rattraper et qui a fini par l'empêcher de centrer. Mais les Lensois ont soudainement reperdu le ballon à la tête de Piquet. Le but de Stéphie Mavilini, chers amis, le but de Stéphie sur le centre extérieur du pied droit. Ce geste légendaire et qui n'appartient qu'à lui, Dandy Delors, sur le but. But contre son camp, je crois. But contre son camp, et oui, c'est magnifique. Ah, Lucas, alors je vois qu'il y a vraisemblablement du Pedro Mendes là-dedans parce qu'il était sur la trajectoire. La touche, il va la laisser pour son partenaire. Si la remise en jeu, Kakuta, qui tente le combiné avec Telemundo. Kakuta, attention, la frappe tendue, c'est la barre. Oh là là, c'est la barre et c'est la réduction du score des Lensois. Lens réduit le score. Kakuta qui tente la gêner avec Fofana, la sortie d'Omlin. Et que dit l'arbitre? Oh non, il va pas donner pénalty quand même sur la sortie d'Omlin, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Omlin se jette dans les pieds de Fofana. Et c'est maintenant Aïdara, c'était lui pour Kalimundo. Plein axe, loin, il va tenter le combiné avec Sotoka, Kalimundo qui va rentrer à la surface, il va la Sotoka, retour défensif de Daniel Combien qui lui sort à la baraque. C'est pas Murati, est déjà sur la balle, il va s'entrer à la tête piquée. Oh, j'ai vu le but de la Laurent, allez Florent Mollet, il est pas si mal tiré celui-là, la tête est le but. Oh, le but de Gaëtan, la balle de Gaëtan, c'est un ballon de contre. Accompagné par la borde. Allez, il arrive en bout de course. Le centre de Junior au second poteau. Récupération d'Andy Delors qui contrôle, qui garde la balle. Il aimerait bien pouvoir frapper. Il a géré les listiches. Je tire les oh là là, dans un peu mort. J'ai cru qu'il allait la mettre dans un trou de souris, Mireille. Je crois que l'arbitre va siffler. Oui, oui. L'arbitre siffle. Victoire de Montpellier à Lens. 3 buts à 2. C'est la quatrième victoire consécutive. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit. Le Montpellier Héros réagit magnifiquement en mettant les Lensois à 5 points et en obtenant ce soir une place de mieux au classement. Nous sommes 5e de la Ligue 1 grâce à l'aboutissement d'un match qui nous aura fait passer par toutes les émotions, par tous les états d'âme. Nous avons mené 2-0, nous avons été rejoints à 2 partout, nous avons repris l'avantage à 3-2 et nous l'emportons au final. 4 victoires à l'extérieur. Personne n'a vu ça, même l'année du titre, je vous le disais.